Hello tout le monde, c'est Chip. Aujourd'hui on est là pour le second épisode de la ronde des coffres. Et donc là on est à Yapton. Donc Yapton c'est vraiment la ville la moins safe du jeu. C'est là où vous retrouvez le plus de PK. Donc les PK et les player killers. Comme vous pouvez le voir ici, il vient de tuer quelqu'un. Et on va essayer de s'infiltrer en étant le plus discret. Ça commence très bien en tout cas. Hop là. Donc PK c'est... Enfin oh là là, Yapton c'est la ville où vous retrouvez le maximum de stuff. Donc principalement des stuff en chaîne, comme vous pouvez le voir, tout le monde est en chaîne, enfin presque tout le monde. Et j'ai franchement les boules parce qu'on peut vraiment me tuer de partout et n'importe comment. Donc là je connais pas très bien les emplacements des coffres. Je vais essayer de vous montrer en fait vite fait la... Bah le stuff quoi. Et donc désolé si je parle un peu bizarrement, c'est que j'ai un peu les boules à ce moment là parce que Yapton c'est vraiment une ville où tout peut arriver. Mais quand je dis tout, il y a vraiment tout qui peut arriver. Donc là j'ai vu qu'il y a pas mal de monde, bah, vous avez vu aussi hein, d'ailleurs. Voilà, une petite personne, ils ont pas l'air de vouloir m'y attaquer, enfin de me péter la gueule pour l'instant. Alors ici, il y a un coffre là, il y a un coffre ici. Dans les stands tiers il n'y a rien, par contre vous pouvez passer juste dans la petite maison là. Et normalement il y a un coffre là dedans, enfin faut regarder. Je suis vraiment désolé pour cet épisode, j'ai pas eu l'occasion d'y aller vraiment. J'y suis allé bien sûr mais pas beaucoup. Pas vraiment beaucoup beaucoup. Ok, donc ici il y a un coffre, paf. Donc la ville est pas du tout, c'est la ville est pas du tout sûre. Méfiez-vous vraiment de tout le monde et surtout dans cette ville parce que bon, ils en ont pour leur stuff. Parce que le stuff que vous prenez dans le coffre, et ben c'est à peu près le leur. Et ouais c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Juste, il y a aussi certains coffres piégés. Piégés pas par les joueurs, mais piégés par le jeu tout simplement. Donc c'est des pièges. C'est des pièges, je vais vous en montrer un. Pas loin. Il y a une épée. Et là, il y a des tables de craft. Donc ça, je savais pas. Les tables de craft, c'est vraiment super, super. Alors, bon. Ah, ça, c'est super. Alors, est-ce que... Bah, attends. Il a dit que j'étais le bienvenu. Ah, bah, il a pas voulu une map potion. Ça me semble un peu étrange. Ah, mais attendez. Oh non. Oh là là, je déteste ça. Remonte mon stuff, enfoiré. Ah, oh, c'était vraiment pas sympa ce que j'ai fait, avouer quand même. Je suis un salaud. Ça, je peux garder en fait. Check. Check. Il est où mon stuff là? Pourquoi j'ai jamais ce que je veux? Okay, bon, je vais garder l'épée. Ça, c'est bien. Moi, j'ai un casque. Il m'avait passé une épée. Ah, bah, j'ai une hache en tout cas. Son épée en fer, elle est où? Elle est où? Elle est où? Putain, mais. Oh là là, là 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 là. Oui, donc bon, j'ai assassiné une personne, c'est vraiment pas cool du tout, mais au moins, il m'a volé mon stuff, et ça, c'est pas cool non plus. Ouais, non, bah. Oh, non. Oh, j'ai déjà tout. Bon, écoutez. Écoutez, ah bah non, c'est bon, j'ai récupéré ce que je voulais. Et donc, bah voilà, je vous ai montré comment c'est dangereux. J'ai moi-même tué une personne là-dedans.
Pourquoi? Bah tout simplement, il m'a pris mon stuff et prendre le stuff des autres, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Bah franchement, j'ai aucune pitié, je savais que je l'avais, je sais pas pourquoi, en même temps, c'est un peu débile. Je vais bouffer mes cookies, à moins que ce soit ceux de l'autre. Je vais faire une petite poubelle dans un coin, style ici, ouais. Bon. Là, ça me sert à rien. Ah bah voilà, l'épée en fer. Juste remettre celle-là à neuf. Voilà. Donc le casque, je peux le garder. Donc ça, je peux jeter. Ça, je vais garder. Ça aussi. Et ça, je peux jeter. Ensuite, ça, je mets là. Je prends juste deux cookies. Et on est prêt. On est prêt pour pour continuer un peu à vous montrer la ville. Donc la ville qui est assez imposante, hein. Enfin, c'est quand même une petite ville, mais une petite ville assez jolie. Mais je peux vous dire que bon, ici c'est un coffre ou c'est un piège. Il y a un zombie qui va sortir si vous l'ouvrez. Je vais essayer de chercher un peu partout. Il me faudrait le full stuff, enfin l'armure complète en chaîne. Là je fais un peu clochard, mais bon, il me faudrait des bottes, c'est tout. Il me faudrait des bottes. Au passage, je m'équipe de mon... Non, je l'ai jeté mon arc. J'ai jeté mon arc. Je pense que je vais tuer une personne plus tard. Alors, bon. Il n'y a pas de coffre. Au final, on se retrouve un peu dans une aventure suivie. Donc, bon. Yapton, je vous laisse découvrir à peu près les coffres. Je vous laisse découvrir les coffres, je vous laisse aussi c'est tout, juste les coffres. Je peux pas vous les montrer parce que je suis pas allé assez souvent. C'est une ville où vous ne pouvez pas respawner juste à côté, en fait c'est assez bizarre. Vous ne pouvez pas respawner juste à côté, et donc c'est pour ça que j'y suis pas allé souvent. Mais vous verrez que dans le guide complet du débutant, enfin pour bien survivre en solo, ce sera la ville où on passera un maximum de temps. Alors pourquoi on passera un maximum de temps? Tout simplement, bah comme je vous ai montré, il y a beaucoup de stuff. Et donc là, j'ai eu beaucoup de chance. C'était une personne qui avait, qui m'avait donné du stuff sans vouloir forcément me tuer. Ah là là. Donc là, il y a un petit gang. Et chaise d'une femme. Ce nom, chaise d'une femme. Et il est full. Et donc ouais, je vais pas trop aller pour les coffres. Je sais que là il y en a un. Pouf. Ah voilà, il y avait un ami qui m'avait dit qu'il y avait un coffre piégé ici au fond de la maison, mais je savais pas qu'il parlait d'ici. Je vais remonter. Hop. Ah bah voilà ce qui nous manquait, des bottes. Oh là là, je suis déjà full. Bah, je vais jeter ça et ça. Faut que je refasse la poubelle. Jack. Et donc là. Ouais, je vais garder mon casque au cas où. Non. Ah, mais il veut pas passer de l'autre côté. Bon, je vais devoir faire ma poubelle autre part. Là, il y a un coffre, il y a quoi dedans? Ok, un plastron, tout caca. Bon, tchac. Ça on peut garder, ça on peut garder, ça on peut jeter. Ouais, c'est bon. Il est déjà bien rempli mon sac. Je vais me faire des cookies. Ouais, deux stacks de cookies vite fait. Il y a un coffre là-bas, je vais le vider. Alors bon. Voilà. Enfin bon, je peux directement faire comme ça. Hop là, et dans ce coffre. Ah mais oui, j'oublie à chaque fois alors que je m'étais fait avoir juste avant. Ah bah on a un pantalon là, on a un joli pantalon et on a la place pour le prendre, mais ça bug. Est-ce que j'ai mon arc? Ouais. C'est bon. J'ai juste un peu peur maintenant qu'il me regarde. Je vais rester un peu plus longtemps.
J'aimerais avoir le stuff complet comme je vous l'ai dit. Ensuite, pour le prochain épisode, ce sera Grimdale. Donc Grimdale, un peu aussi une ville de noob. Enfin, quand je dis noob, faut pas le prendre comme une méchanceté. Faut le prendre plutôt comme un verbe. Non, pas comme un verbe. Ah, je suis complètement taré, moi. Bah, voilà. C'est une catégorie de personnes, un noob. Et quand je dis noob, c'est les débutants. Donc pour noob, c'est vraiment une ville de débutants. Personne n'a du stuff. Ah, et voilà. Je suis full... full chaîne. Et donc, on va se diriger vers Grimdale. Donc, quand j'ai fait ce petit épisode dans la ville, j'espère que vous avez bien eu le temps de voir où sont les coffres et où ils ne le sont pas. Donc, je vais redescendre. Je vais faire un petit tas de merde. Petit tas de merde, c'est une poubelle. Là-dedans, faut toujours regarder. J'ai vu qu'il y avait des coffres. Je vais boire ma bouteille d'eau. Voilà. Hop là. Et donc, ça, je peux... Moi, je vais vite réparer mon casque. Voilà. Maintenant que c'est fait, et je vais jeter un peu tout ça. Tchac, 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 tchac. Je vais mettre... Non, pas la bouteille là. Et ça, comme ça. Ça me semble correct. Ouais, c'est bon. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. Passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. Et on se retrouve pour le prochain épisode à Grimdale. Donc maintenant je vais vite me casser maintenant que je suis full stuff en chaîne. Allez, ciao!